dégager le meilleur temps, chapeau. Nous avons à peu près 2 tours de carburant. Notre meilleur tour jusqu'ici est de 1,28,0. On occupe la 15e place au speed trap, 319,5 km/h.
Les qualifications viennent de se terminer. Revoyons qui sont les trois premiers. Leclerc, Philippe et Lewis Hamilton. Les qualifications sont terminées. La grille de départ est maintenant établie pour la course de demain. Alors ne manquez surtout pas ce Grand Prix qui devrait tenir toutes ses promesses. Bienvenue sur le circuit de Yas Marina qui vient clore une saison de Formule 1 riche en rebondissements. Cette année palpitante touche à sa fin sur un tracé qui nous a fait passer par toutes les émotions au cours de sa récente histoire. Il est temps de finir en beauté au Grand Prix d'Abu Dhabi. Le circuit de Yas Marina comporte 16 virages, dont 7 à droite et 9 à gauche. Sa longueur totale est de 5,3 km. Deux longues lignes droites offrent de belles possibilités de dépassement à l'amorce des chicanes et la vitesse moyenne estimée est de 198 km/h. Après une séance de qualification extraordinaire, le moment est venu de regarder à quoi ressemble la grille de départ de la course d'aujourd'hui. Charles Leclerc part en pole position et Philippe complète la première ligne. En ce qui concerne le reste de la grille, Norris, Verstappen, George Russell et Fernando Alonso, Ricciardo, Bottas, Tsunoda et Pierre Gasly, Hamilton. Ils vont s'élancer en fond de grille à cause d'une pénalité. Pérez, Sébastien Vettel et Albon, Stroll, Mick Schumacher, Guan Yu Zhou et Marcus Armstrong. Magnussen. Ils ont reçu une pénalité sur la grille. Latifi, Sainz et Esteban Ocon complètent la grille de départ. Il est temps maintenant de nous tourner vers la piste.
C'est une nouvelle course qui débute et je vais avoir le plaisir de la commenter aux côtés de Nicolas Martin. Nicolas, les pilotes ont une journée éprouvante qui les attend. Qu'allez-vous observer lorsqu'ils se jetteront vers le premier virage? Le départ d'une course est toujours la partie la plus éprouvante pour les nerfs. On espère toujours que tout le monde réussira un départ propre. C'est probablement la partie la plus dangereuse d'une course. Autant de pilotes dans un si petit espace. Le fait qu'il n'y ait pas plus d'accidents prouve bien le talent des pilotes. Et c'est parti, les pilotes s'élancent pour le tour de formation et l'excitation est à son comble dans les tribunes alors que le départ de ce Grand Prix est imminent. Quelle écurie réussira à sortir vainqueur aujourd'hui? Quelle stratégie s'avérera gagnante? Nous allons vite le découvrir, alors restez avec nous. Les monoplaces viennent se positionner sur la grille à quelques instants du départ de ce Grand Prix. Espérons que la course sera mémorable aujourd'hui. Autorisé dans ce tour. On peut l'utiliser si on est à moins d'une seconde du pilote de devant dans la zone de DRS uniquement.
constate une perte de puissance du turbocompresseur. Perte de puissance pour le turbocompresseur. Approchons de la fenêtre d'arrêt au stand, tu chausseras des médiums. L'écart avec la voiture derrière nous est de 6,4 secondes. Prudent, tu risques de subir une perte d'adhérence dans peu de temps. Joli, à le voir, on croirait presque que c'est facile. La fenêtre de ravitaillement est ouverte.
entré sur ton emplacement pile au bon moment. Bel arrêt. Essaie de ménager tes pneus, l'objectif est de finir la course avec ces gommes. Attention, on nous a signalé qu'il faisait sortir la voiture de sécurité. Il y a apparemment plusieurs monoplaces arrêtées sur la piste. Marcus rentre au stand. Prépare-toi à reprendre la course. La voiture de sécurité rentre sur ce tour. N'oublie pas qu'il est interdit de dépasser jusqu'au drapeau vert à la relance. Safety car au stand ce tour.
franchement limite. Une chance qu'on n'ait pas été pénalisé. Ok, les commissaires viennent d'autoriser le DRS. DRS disponible. Il nous reste 5 tours de carburant. Tu peux récupérer ta position. Au travail. Il nous reste à peu près 3 tours de carburant. Tour en course, c'est ton dernier tour.
fin de la course. Rendez-vous au parc fermé. Malgré les hauts et les bas cette année, notre pilote a été incroyable aujourd'hui. Le titre de champion du monde est amplement mérité. Nicolas Martin, qu'est-ce qui leur a permis de décrocher ce résultat d'après vous ? Je crois que le facteur décisif qui a joué sur la course aujourd'hui ne fait plus aucun doute. La vitesse, ça paraît affreusement réducteur, mais ce sont les voitures rapides qui gagnent les courses. Et on en a eu la preuve aujourd'hui avec notre vainqueur. En regardant le podium, impossible de manquer cette combinaison rouge reconnaissable entre toutes. Une victoire de classe mondiale aujourd'hui pour une équipe mythique. Ferrari est de retour. Eh bien Nicolas, quel serait pour vous le meilleur candidat au titre de pilote du jour ? Pour moi, ça ne peut être que Lewis Hamilton. Le multiple champion du monde est peut-être un choix facile, mais on ne peut pas nier que c'est un pilote qui mérite ce titre. Rien ne peut remettre en question le classement des constructeurs à ce stade, mais Ferrari a définitivement pris son envol au classement et se retrouve hors d'atteinte. C'est un nouveau triomphe pour l'écurie italienne qui remporte le championnat du monde des constructeurs. Red Bull a réalisé une belle prestation ce week-end et parvient à renforcer sa position au classement. Et bien encore un week-end ponctué par une course fantastique. Merci à toutes et à tous de nous avoir rejoints. Rendez-vous sur le prochain circuit.
Les revenus de l'écurie sont bons à l'heure actuelle. Il faudrait que tu commences à réfléchir pour savoir quel domaine bénéficierait le plus d'un investissement.